Jack est un maîtrise 7 Jack, donc certainement un main Jack comme la plupart des joueurs de Jack, mais il n'a pas Resolve et il n'a pas Ignite. Oh, il joue. Comment t'appelles ça? Inspiration en deux? Non, c'est. J'ai oublié le nom. Ou Si, c'est ça, ok. sorcellerie? Ah, sorcerie, sorcerie, ouais. Sorcellerie, ouais. Mais je Ah, regarde c'est son malin. histo. Il a pas l'air d'être très aiguisé sur Jack. Il y a moyen de Ok. cuisiner. Oh, j'ai une idée, bro. Garen, Conditioning, Stride, Hullbreaker, Gargouille. Mon Squad Dieu! de base de fou. En vrai, j'y ai pensé, mais il me faut un anti-heal assez tôt. Il y a Warwick et Jack et les deux vont faire Thunderer, je pense. Ah, c'est vrai. Et elle va faire un shield bow, lui il a son passif, elle c'est une enchanteuse. Il me faut à tout prix un anti-heal dans mon stuff là. Bro. Non. Non, 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 c'est mal. C'est mal! J'ai envie de commencer avec une lame de Doran. Je l'ai déjà fait dans le match-up. Et alors? C'était pas ouf. Ok, je vais me faire mon propre avis. Vas-y. Ça veut dire je te crois, mais je profite du fait que tu l'aies déjà fait pour me permettre de le faire aussi. Les gars, ne vous inquiétez pas. Si je ne me fais pas exploser en early, cette lame de Doran payera et fera la différence. Est-ce qu'elle aura bien mieux que ce bouclier? Merci Darth Mordor. Oui, Malphite Maokai, c'est vraiment à l'ancienne. Merci Xeno Yorshka. Hop. Bon, je vais tapoter la wave, j'ai pas envie qu'il passe niveau 2 avant moi, surtout avec ce start. Ouais, c'est lourd de lui montrer un peu, les cogner la wave sous ses yeux. Problème c'est que je vais m'exposer à Warwick, mais... Non mais, mon gros parisette. Ok, on a Ouais, mais il tous se les deux passe plus de rien. potions. Ouais, top, ça se cogne. Je peux pas prendre le push de la lane. J'ai essayé. Attends, j'ai le niveau 2 là-dessus? Tu prends le Q ou le Z au niveau 2? J'aime bien le Z moi. Z toujours. Ouais. Tu Q, veux ça c'est si dash dessus, vraiment. tu gagnes. Ouais. Q, c'est vraiment s'il pue. Ouais, s'il pue de fou et que tu peux genre lui mettre une full spin. Ok, là il va pas tarder à passer niveau 3 et j'ai plus mon Z, faut que je fasse attention. On change de... Oh non, je me fais une invade. Oh merde, Warwick le cheeseur. Ah, je suis mort. Oh! On se vengera, bro. Ouais. Oh! Faut faire une game la vengeance. Bro, ça fait trop longtemps que j'ai pas publié une VOD sur le thème de Morsai. Ça, c'est vrai, ça. Avant, c'était une de mes VOD sur deux qui s'appelait La Vengeance. Il faut ramener Morsai sur ma chaîne. Cette game doit être un hommage à Morsai, ça fait trop longtemps que c'est pas arrivé. Bon, je perds l'XP d'un creep. Non, même pas, même pas, même pas. Seul truc que j'aime vraiment pas dans le match-up, c'est à quel point tu ne peux pas toucher les creeps en early. Ouais, il décide tout. En fait, Jax décide vraiment tout dans le match-up en early s'il est bon. Écoute, j'arrive, il est low HP, je pense que ça se tente bien. Même s'il y a une grosse wave. Oh, il vient de claquer son dash sur un creep. Oh, bon, il est mort. J'attends son. Ouais, ok, j'attends pas son flash. Je vais match le sien. Je suis mort. Ok, non, c'est bon, je suis pas T'es mort, peut-être pas mais. forcément mort. Je m'attendais à On ce que peut le le Jax jouer, me non? turn. Ah, je sais pas, il va beaucoup sustain. Je suis un big noob. Ah Je ouais, suis là je le tue désolé, par contre, je Stray. pense. Non, c'est J'ai pas grave. loupé. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, je vais juste cancel son back, ça va faire chier. En vrai, il a pas pris le silence. Il a eu le réflexe, je pensais pas qu'il aurait.
Et là, du coup, il veut me mettre de l'XP. Oh, cette game, ça va vraiment être la grosse merde. Ah, ça va réellement être la vengeance, là. Il va falloir se battre. Ah, va vraiment falloir la remonter, cette game, hein. Je me prends un niveau, double de CS. On a tous les deux une mort. Aïe, aïe, aïe. Écoute... J'aurais peut-être pas dû flip le Q sur lui, mais... Il y avait un monde où ça passait. Je crois que je suis obligé de venir t'aider parce que là, avec le bounce... Bounce, il va passer niveau 6 et tout. Oh, ça va trop mal tourner. Le problème, c'est que si Warwick force le 2v2 top aussi, ben on le repère. Oui. Il se fait exploser, là. J'ai eu aucun carap et tout. Avec un peu de chance, il a voulu jouer le carap bot. Espérons. Putain, j'ai chopé mon auto. Franchement, il a eu que des games trop faciles ce matin, là. Faut une belle vengeance. Et si on la perd, faut la perdre avec honneur. Réel. Ok, au moins ça va sous tour. T'as réussi à crash? Ok, nice. Oh, Warwick est bot du coup. Seul truc qui me fait peur, c'est quand qu'il passe 6 quoi. Hop. Oh, ok, je viens de lui apprendre le match-up là. Ouais. Oh mais bot, ils ont tué Warwick, incroyable. Le problème c'est qu'il va passer niveau 6. Là, il passe niveau 6, il veut m'apprendre la vie. Est-ce que tu penses que tu peux te mettre genre ici, le bait at go in et on le tue? Moi je pense. Si j'ai mon Z, ouais. Sans mon Z, c'est dangereux. Je vais le pousser comme ça, il nous stun pas. Oh. Allez. Il va triompher de tuer. Quoi? Okay, je joue pas triomphe. Non, il joue pas triomphe apparemment. Attends, il y a... Ok, on a un creep de plus, ça bounce. Il m'a sauté dessus pile avant que j'ai le Z. En vrai, j'aurais dû plus attendre. Je me suis pas fait confiance. Ça se joue à rien. C'est pas grave, bro. Il va se prendre un comeback de Sgaren, il va pas comprendre. Là, j'ai confiance, il y a un solo kill qui arrive. En vrai, tu vas avoir Ignite, Ulti, t'as un Bounce, je peux revenir en plus. Ignite, Ulti, il va se sentir en confiance. On peut le solo kill à deux, là. Le solo kill à deux, bro. Ouais. Attends, faudrait que j'ai l'XP. En fait, ce qui serait trop bien, serait qu'il me trade dans la wave et que je prenne tous les creeps en même temps et que je passe niveau 6. Regarde. Laisse-moi cuisiner, regarde. Ouais. Vas-y, et je vais être là en seconde lame. Oh, regarde. Attends, mais tu m'alliges tous les XP, c'est le feu. Oh non. C'est pas grave, on a cuisiné. Il y a un niveau complet d'avance, du coup, ça met bien. J'étais en range d'XP. Je pensais vraiment pas. Le mensonge. Je jure que non. C'est pas grave. C'est bien de jouer de derrière aussi de temps en temps. Et raison de plus pour faire Hullbreaker. Qui va tellement mauvais stat que ça va compenser mon retard. Hop. Dégâts de la tour. Oh oh. Warwick me sniff. Oh. Bon. L'XP que j'ai trop tard, c'est un joueur. Hors troll. Si j'étais niveau 7, il était mort, je hurle. Ok, bon, j'ai le level 6. On va pouvoir dive bot. Faut que j'ai mon Z. Ghost ? Y'a le Warwick. Hein. On peut gagner ça. Faut le laisser cuisiner. Oh, ce qu'il apporte ! Bro, je les ai 1v2, c'est un délire. Regarde ça, je les ai tués tous les deux ici. Leurs corps sont collés. Putain, dinguerie. C'est vrai que leurs corps, ils sont bien collés. Allez, vite la wave, que je reprenne mon retard d'XP, là. Peut-être une plaque. Ok, il a pas de TP. Oh. Oh, la cuisine est... Oh, le dragon, la cuisine est lancée. Oh, c'est bon, les erreurs du passé sont rattrapées, là. Non.
NON! Perso de merde! Perso de caca! Non mais c'est bon, bon, il est mort, il est sorti de la vase, il a suivi la traînée de sang tout du long pour venir me cancel. Oh non, c'est trop sale. Du coup, il va prendre deux plaques, le Jack. Bah voilà, bah clean. Je suis pas sûr de pouvoir clean, mais voilà, magnifique. Mais notre botlane les explose beaucoup trop, là, on aura même pas le temps de se venger. Ok, il me prend qu'une seule plaque. Ok, bon, c'est pas grave. Au moins, le Swain se met ultra bien. Ah, bah non, il y a le Warwick. Oh, le bon creep block. Oh, chouchou, chouchou, chouchou. Ok, je vais commencer à acheter ça. Sans ulti, il ne faut rien faire. Attends, je ressens. Chouchou, 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 chouchou. Boum. Oh, le solo kill. GG. Ça passait totalement sans le slow de Swain. Il a absolument rien apporté sur cette action. On va clean. Je crois que la vengeance est déjà bien dans. Oh non, le loup, le loup. Non mais c'est quoi, regarde comment il est rapide. Regarde comment il est rapide. Oh, il y avait aucun counterplay. Bon, après j'ai pris deux coups de tour, ça c'est ça qui a mené à cette action, mais le loup me les casse là. C'est vrai que le loup bon. Le loup. Amuse-toi bien. Bon, par contre, je te jure, tous les Swain qu'on a eu avec et contre nous, depuis que le buff est passé sur le patch là. Ouais. Je les trouve toujours trop impactants. Et je trouve qu'ils font toujours beaucoup de dégâts sans stuff. Faudrait que je relise ce qui s'est passé sur le patch, mais. C'est fort. J'avoue qu'à chaque fois, c'est solide. Puis là, ils ont une compo avec beaucoup de mêlée, donc je pense qu'il fera. Encore mieux le taf. Jack est parti. Je pense pas qu'il avait assez pour Sunderer. Ou plutôt, je prie pour qu'il avait pas assez pour Sunderer. Parce que là, s'il a déjà reset Sunderer, je suis pas bien. Merci Passion Frenzy. Et je peux défendre Mazira corps et âme s'il y a besoin. En vrai, qu'il ait quitté la lane comme ça juste après. Et merde, il a un Sunderer. Aïe aïe aïe. Stray, c'est le moment où il a un Sunderer et tu es derrière. C'est trop le meilleur moment du match-up. T'as goûté? Bah, il m'a mis un trade, j'ai pris un trou et lui il était full life quoi. Oh! Sur un proc, ça c'est un proc. Un proc qui fait une différence de 230 HP, ça va aussi. J'ai mis le stun avant de partir. Non, mets-toi devant! Pourquoi ça me lâche? Pourquoi la Zira quasi full HP à flash ça? Attends, donne-moi le mob de la jungle et je vais sustain. Nice. Ok, j'ai regardé top, tu la trade, il a régène absolument tous les HP que t'avais pu mettre. Je vais aller faire les golems tranquille. Radiante. Il faut que je rush de l'antil là. Il a reset, qu'est-ce qui. Ah non, il est en train de tuer mon AD carry. Ah. C'est ok. C'est ok, de toute manière, cette game est une game de Garen Cuisine. Où le seul but est de voir si le Hullbreaker va-t-il m'apporter suffisamment de stats pour stat check le Jax alors que je suis derrière. Imo, oui. Imo, oui aussi. Mais il me faut un lentil. Je pense pas que l'ignite suffise. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il va me falloir un lentil sur un long fight. Antil trop important contre Jax. Oh. Tu sais quoi, je peux venir. Il y a peut-être Nami, fais attention. Ça va, bro?
Oh, s'il avait pas regagné toute cette vie, là je lui mettais Auto Q Ignite Air, il était mort. Putain. Mais Sunderer incident. Je pense qu'on aura pas le prochain Drake, mais on peut dive le Jax. Et ça, c'est lourd. Bro, quand ils feront enfin quelque chose pour cet item, les petits pas de danse que je vais lâcher dans mon bureau. Oui, vraiment. Il est temps. Putain, il a vraiment back. Mais bah, revenir avec pas mal de stuff, ça va être compliqué. Après, avec mon R niveau 2, ça se fait, je pense. Ok, il a un sceptre. Je glisse un Hérald et j'arrive. Il se passe un fight. J'arrive juste après le Herald. On my way. Faut que je passe niveau 11 et je peux vraiment le menacer en fight. Ok, il y a toute l'équipe. Tous là. Il rush les deux items interdits. Oh. Où est-ce qu'il est? Que fait-il? Oh, il m'attend ici. Bro, j'ai R ulti niveau 2, je le trade. Vas-y, moi je te protège. Oh, chouchou, chouchou! Y'a Warwick qui veut. Il est en désir intense là. Je veux aussi. Franchement, je suis apte à donner. Je souhaite. Je vais. Oh, je souhaite beaucoup moi. Oh, je rigole là. Oh, c'était de la merde. Oh, le Gragas prend tellement de dégâts. Ouais, il a Sonia et Thornmail. Ok, boum, double kill, la vengeance. Allez. Oh non, mais toi avec ton perso de caca. Oh, oh, oh. Chope le loup. Regarde Swain, oh. Mais regarde Swain, c'est un monstre. C'est une machine. Bon, je vais full clear et FK. Ok. Si mon canon tombe bien avant. Ouais, non, c'est lui qui a la boon. Je fais chier, je suis perdant. Lulbreaker arrive. Je ferai l'anti-heal après. Putain, le boon c'est vachement violent. Je pensais pas que ça serait à ce point. Je pensais que ce serait serré. Non, non, il va récupérer une très bonne lane là. C'est pas grave, il y a Gragas qui m'en amène une au bot. Par contre, faudrait juste t'empêcher de prendre la terre, mais je pense que tu peux défendre sans souci contre lui. Jamais il te. Ouais, je crois que même le Swain. Même le Swain va s'en occuper, je crois que j'ai même pas besoin. Ah, quoique. Ah, je vais y aller quand même. Petite wave et j'ai le Lulbreaker là. Ok, j'ai surestimé les gains d'une wave sans canon. Oh non, mais lui! Lui, il vit pour les webcams! Encore? Mais putain! Mais encore! Mais le loup, allez, le loup! Allez! Oh! Mais le loup, faut voir la paix, putain, le loup! Bon, c'est pas grave, au moins je vois que les deux top laners ont subi le même traitement. Les deux top laners en carrière négatif, c'est vraiment la classe. En vrai, là, j'ai l'Hullbreaker. Hullbreaker condition. Ah, pour moi, tu l'exploses, là. Même s'il a un... Ah, t'as pas d'antil, c'est le seul problème. Mais normal, il fallait rusher le breaker. C'est que à 20. Niveau 12, c'est 20 et 20. Non, c'est plus. C'est que 20-20 niveau 12. Je crois que c'est à partir de 13 que ça explose. Ouah, wow, c'est très décevant là pour le moment. J'espère que ça va vite scale. Ah oh, merde, faut que je mette le Herald. J'arrive, je joue le fight du Drake. Je joue ulti Ignite. Oh. Ok, non, j'ai menti, je retourne top. Je
je pensais pas qu'elle allait pouvoir. Le Jack a pas BRK, peut-être que je le bats sur un all-in là. Ok. Alors Jack, je sens la crotte. Oh, en vrai je le battais ça, là. C'est quelque chose, ça. Je lui mettais vraiment un stat check de fou. S'il restait au corps à corps avec moi, avec Conquérant stacké, l'Ignite qui arrivait et l'ulti niveau 2, il était mort. Bon, le Swain est une machine. Stray, le stat check est réel. Ah, tu l'exploses? Ouais, ouais, même avec l'Ulbreaker à que 20 là pour le moment. Nice. Je après, l'explose, à 20... c'est exagéré, mais je le bats. À 20, ça reste une gold value de fou. Hein. Sachant que la gold value de base est déjà. Est déjà bien. Ouais. Oh, cet item est tellement OP. Heureusement qu'ils mettent 5 d'AD et 5% de MS. Il faut. ASAP. Ah, oh, il faut, il faut. Donc là, je suis à 20-20. En passant niveau 13. De combien est le spike? 2020, hein. Sachant que ça va de 10 à 75. Ah, il me manque encore un peu d'XP. Je crois que tu gagnes, je sais pas, peut-être entre 8 et 15. Je sais plus exactement combien, mais quelque chose comme ça. Oh! Ouais, voilà. J'ai gagné 15! Ah ouais, c'est massif. Oh, le niveau 13 est puissant. 15 d'armure, 15 de RM, là, boum. Est-ce que j'aurais le follow-up si je l'ulti? J'ai pas mon Q, donc je pense pas pouvoir le chain CC suffisamment. Est-ce qu'on devrait vraiment fight en vrai? La pauvre Zira qui a plus de mana. Bon, tu veux qu'on explose la Nami? Je veux juste stat check le Jax, mais il a pris un trade contre moi avec le Breaker, il est plus venu depuis. Ah! Non, il est bot! Faut que j'aille l'empêcher de prendre la T2, la T1 il l'aura. Il me faut de l'antil, il me faut de la MS là. On aurait du back. Allez, risetons. Bon là par contre avec ce que je viens d'acheter, y'a plus rien, y'a plus rien. Là je l'explose. Le matchup est finito. Jusqu'à temps qu'il complète la blade. Et quand il va compléter la blade, là, il redeviendra fort. Mais normalement, il l'a pas sur ce back. Là, je pense que j'en vais deux en vrai s'il y a Warwick qui me gank. J'ai trop de stats là. Regarde ça, regarde ça, regarde ça! Putain de merde, il fait oui, aucun dégât. C'est rentable. stat check réel. Je suis passé niveau 14, j'ai gagné 8. Oh enfin, ouais, 8 je suis sûr qu'on joue le Nash. Ok, ouais, c'est ça, je crois que c'est... Je me souviens, c'est entre 8 et 15. Je pense que ça va me tomber dessus. Bon, je m'en fous, on est au Nashor. On fait le Nashor là. Qu'on explose la tour. Y'a plus l'ulti sur Gragas, plus l'ulti sur Nami. Ok, ouais, ils sont finis là. Je vais l'empêcher de prendre la wave. Ok, il a sa blade, le Jack. J'ai envoyé un ulti, hein. Même si on est 4, pour moi on gagne là avec je la vous vie. Regarde là. Là j'ai tout le loisir de vous regarder de toute manière. Merde. Je continue de faire le spectateur.
En fait, j'ai envie qu'il nous engage. Oh non. Oh, je vais le R. Swain va prendre des resets. Oh! Je prends tout le focus. Ok, j'ai rien dit. Le putain, Warwick a bien tenu le Swain en corps à corps. On se fait exploser. Je fais une petite transition crit là. Petit mortal. OMG. En vrai, j'aime trop contre Jax, on avait déjà parlé. La peine, l'antil, les dégâts. Oh! Oh! Ouais, c'est trop OP contre Jax. Allez, remettez-moi un 1v4 là, je suis chaud. En effet, si c'est rentable. Oh! L'opinel sinon laisse tomber. Non, mais Séraphin, c'est trop balance! Quel item de con! Non, mais c'est. Pourquoi les mages sont malfit? Malfit, malfit, malfit! Il est tellement tanky! Pourquoi il y a de la tankiness dans tous les items mages? Oh, dommage! C'est bon, il meurt quand même. Ou laisse tomber. Regarde le loup. Chien, le loup. Bon, par contre, le loup, je lui pète la gueule là. Boum! Le spike du rappel fait trop mal. Est-ce qu'il a pris le raid? Ah, il a pris le raid. Là, j'ai pas d'ulti, pas d'ignite, il me bat. Il a les deux items interdits. Et je n'ai pas ce qu'il faut. Hop. Ok, je vais avoir le niveau 16. Peut-être qu'il m'attend avec son red buff dans un buisson. Non. Oh bon, je suis caché là. Bon, vraiment, le stuff crit où t'adaptes juste un item crit pour un nullbreaker contre Jax, trop fort. Tu le one-shot sur une spin. Il a jamais les dégâts pour te tuer lors d'un all-in. En vrai, Mortal Reminder, c'est vraiment trop OP hein, contre Jax. Ouais. Surtout l'item est trop fort sur Garen. Ça te donne trop de trucs d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Mais pourquoi? Vous laisse tomber. Bah... Mais elle était bien! Elle était bien! Je me voyais déjà avec mes Navori, mon danseur fantôme. Bah... 250 d'armure, 200 de RM, 4000 HP. Bon bah dommage. Tant pis, ça reste une bonne game. Ça reste une game qu'on pourra appeler la vengeance du breaker et c'est tout ce qui compte. Oh, je suis top dégâts, ça veut dire que je suis le meilleur joueur de l'équipe.